matin, nous avons comme programme de présenter la restitution des résultats de l'étude sur le droit à la protection sociale des personnes handicapées au Maroc. Le but de cette recherche qui a été menée dans le cadre du projet DECIDE, c'est connaître les barrières que les personnes handicapées trouvent dans l'accès à la protection sociale, comprendre leur vécu, et tout ça dans une perspective de droits humains. Dans cette approche, ce qui nous importe, c'est vraiment de comprendre en quelle mesure les expériences d'accès ou de refus d'accès à un ensemble de droits se traduit en violation de 5 principes qui sont principes fondamentaux de droits humains. La dignité, l'autonomie, la participation, le respect de la différence, la non-discrimination. Ces trois outils directement adaptés du RPI et avec le questionnaire. Je coordonne une équipe qui est plus vaste, mais qui repose surtout sur la collaboration, la participation d'équipes locales en Algérie, en Tunisie et au Maroc, composées de personnes handicapées elles-mêmes qui ont été formées et qui ont mené la collecte de données et ont participé aussi à l'analyse des données. En partenariat avec les OPH. Adonor El-Fudaini, président de l'association des challenges et d'insistance des personnes ayant des capacités spécifiques, spécialité, démonstration en arts martiaux. J'étais appelé par l'Handicap International pour faire une formation en Tunisie. Les deux formatrices m'ont proposé d'être un coordinateur. Je me vois en tant que personne qui a des capacités spécifiques plutôt qu'en handicap parce que pour moi, la déficience physique n'était jamais un obstacle. Alors, bien que j'ai dépassé cette déficience physique, je l'ai transformée en une force. Alors, on aimerait bien être appelé des personnes ayant des capacités spécifiques. C'était par l'association du challenge d'assistance du taekwondo et para-taekwondo qu'on a créé et qu'on a pu faire créer une salle au sein du quartier où on essaie de faire de l'intégration et de l'inclusion des personnes ayant des capacités spécifiques avec des personnes normaux. Ça montre l'autonomie de ces personnes ayant des capacités spécifiques. Ça montre aussi que leur esprit est bien positif et que leur dignité ne sera jamais touchée puisqu'ils sont intégrés au sein de la société, au sein du sport. Pour moi, j'ai maintenant 3e dan en taekwondo. Donc, en terrain, c'était difficile pour les enquêteurs d'y aller à un monde rural et rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation. J'ai eu de la chance d'avoir ce travail. Moi, je suis fonctionnaire et j'ai une protection sociale et parfois je ne paie rien. Sinon, j'aurais dû être comme les autres personnes en situation de handicap. En entendant l'enquête et en rencontrant des interviewés, c'était vraiment la catastrophe, c'était vraiment... Elles sont vraiment dans un autre monde que nous. Est-ce que tu me vois en situation de handicap? Est-ce que je suis handicapée? Pour moi, non. Alors ciao. L'appel à son grand-père. Concernant ma petite fille, qui est née normale, mais en fin de compte, elle a des problèmes psychomoteurs. C'était pas un choc pour moi. Plutôt, j'étais, comment dire, mais c'est le destin, c'est son destin. On attend jusqu'à un an pour qu'il bouge et pour qu'il marche, mais on ne voit pas de progression. Alors on a commencé à faire des analyses médicaux et de voir ce qui se passe. Mais on n'a rien trouvé de grave, juste ils ont dit qu'il a problème psychomoteur, un retard psychomoteur. Et ça va, avec le temps, il va se régler, mais on ne voit pas de progression. Alors, on est en train de faire la rééducation dans une association de rééducation pour elle. Et on attend que les choses se changent, n'est-ce pas?
parce que c'est ma cousine, ma femme, c'est ma cousine, alors je pense que c'est ça le problème. Et l'autre, on ne sait pas. C'est va être bien ou c'est pareil. Il y a des pires situations qu'elle. Elle a son père qui, malgré qu'il n'a pas de bras, mais il est fonctionnaire et elle a pu surmonter plusieurs obstacles dans la vie. Et je vais l'aider, je vais faire mon mieux de l'aider pour qu'elle surmonte ce problème. Et la chose qui m'a attiré, c'est qu'on doit avoir, qu'on doit penser à avoir un centre de rééducation pour chaque quartier. On peut au moins réduire le problème de déplacement de toutes ces personnes pour visiter un centre loin. C'est le cas pour ma petite. J'ai cherché longtemps, j'ai cherché longtemps dans notre quartier à trouver un local plus large pour louer et pour l'offrir au parasport, notre taekwondo. Et en même temps, l'offrir à la rééducation. Malheureusement, on a un club, mais n'a pas assez spacieux pour essayer de trouver des matériaux pour faire de la rééducation. Avec l'association des challenges d'assistance des personnes ayant des capacités spécifiques, c'est vrai qu'on ne travaille pas trop sur le plaidoyer, mais on travaille sur le changement de la vision de l'autre envers ces personnes à travers le sport, à travers l'intégration de l'inclusion des personnes à travers le sport. Et moi et les enquêteurs, on a fait un travail honnête, on a juste transmis ce que les autres disent. Alors on a transmis la vérité telle qu'elle est. Alors on ne peut rien changer, c'est une vérité pure. Pour la changer, il faut changer la mentalité. J'ai senti une non-appartenance à ce pays. S'ils ne veulent pas de nous, si le pays n'est pas capable de nous prendre en charge, qu'on nous fait savoir et qu'on nous fait sortir de ce pays, mais nous priver du simple droit minimum qui est de la couverture sociale, non, nous, on ne demande que le minimum. On ne demande que le minimum pour avoir une vie saine et décente. Un témoignage, là où je vais, j'ai le même problème, aucune accessibilité. Des fois, les portes des bureaux sont tellement étroites que je n'arrive pas à y accéder. Je reste souvent dehors et c'est à quelqu'un d'autre de ramener ce que tu es venu chercher. Moi, si je peux résumer les résultats des enquêtes, des entretiens, des focus group que j'ai suivis de près avec les familles, avec les personnes concernées, je peux le résumer en une phrase qui a été dite par l'un des interviewés. Je reste toujours dehors. Et il est temps qu'on ne reste plus dehors, il est temps qu'on rentre et que les personnes qui sont handicapées et leur famille aient accès à tous les services sur la base de l'égalité et de la non-discrimination.